observer dans son quotidien des choses qui, a priori, sont ordinaires, mais qui, dès l'instant où on regarde leurs détails, leurs formes, leurs couleurs, leurs textures, deviennent extraordinaires. Ce voisinage de la culture et de la nature, essayer de trouver le point où elles se confondent. La nature peut casser un trottoir, casser un mur. Avec une irruance silencieuse, elle s'impose. Ça nourrit nos âmes et ça nourrit nos corps.